Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Où est mon téléphone? Mon téléphone. Alors, démarrage. Oui, je suis en direct. Je suis en retard de 5 minutes. Excusez-moi. Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Alors, je me regarde sur mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça, que ça? Coucou à toutes et à tous. Y a-t-il du monde derrière l'écran? Oui, bonsoir Aurélie. Coucou Pascal, mon ami. Voilà, je suis là, je me vois. Alors, je vois les commentaires. Bonsoir Christelle. Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live un peu particulier. Puisque nous allons détourner un kit. Bonsoir Sandrine, ça va très bien et toi? Alors, je suis désolée, c'est un peu le bazar room, c'est même le grand bazar, mais comme d'habitude, j'ai changé mon bureau et j'ai mis plein de bazar partout. Tout marche, super! Alors, deux, trois petites choses avant. Alors, je vous fais voir quand même le projet, hein. Voilà, c'est un mini-album, le temps que mon... C'est un mini-album, j'ai pas eu trop le temps de le décorer, vous m'excuserez. Ça a du mal à faire le point, hein. Voilà. Voilà. Et pour ça, j'ai pris le kit Jardin de gratitude, qui est en promotion actuellement à 25,20 €. Bonsoir Pascal. Comme tous les kits, au mois d'octobre, vous avez des kits qui vont jusqu'à moins 30%. C'est du jamais vu. Il faut aller voir sur ma boutique en ligne. Alors attendez, je sais pas où. Hop, je suis à peu près là. Hein. Voilà. Autre promotion très très intéressante. Les fournitures de lancement sont à 214 € au lieu des 175 habituels, c'est-à-dire que vous payez 129 € et vous, bonsoir Roxane, et vous repartez avec 214 € de produits en plus, c'est-à-dire un massicot à 50 centimes, c'est pas mal ça quand même, tout ça pour rejoindre mon équipe. Autre chose aussi, je me dépêche parce que je suis très très en retard. Il y a une super promotion de tampons, voilà, tampons en promo. Tous les tampons du catalogue annuel 2024-2025 sont à moins 15%. Tous les sets de tampons à moins 15%. Et c'est pour ça que je fais une commande groupée demain soir au lieu, alors hop, au lieu du 10. J'ai avancé d'une journée pour profiter de cette promotion. Et n'oubliez pas cette super offre que je vous fais qui ne regarde que moi. Vous avez la possibilité d'avoir moins 15% sur le produit de votre choix si vous commandez, si vous passez une commande sur ma boutique en ligne de plus de 60 € tout le long du mois d'octobre. Voilà. Bon, j'ai assez bavassé, je vous mets sur mes mains et je vous fais voir un peu tout ça. D'accord? Allez, hop, je m'avance. Et voilà. Alors, c'est un peu de travers, je vais mettre comme ça, voilà. Alors, ce kit, ah oui, et j'oubliais les filles, une chose très très importante, le sketch du mois, les filles qui vont participer en octobre auront une surprise. Donc, n'hésitez pas à participer, vous avez le sketch dans le...
dans le groupe, dans l'événement. Donc, c'est un album tout simple qui se compose d'enveloppes. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de le décorer, vous m'excuserez, mais on peut tout à fait. Voilà. Alors, j'ai mis une petite fleur là. Mettre des cartes pour agrandir votre album. D'accord, je remets bien mon téléphone. Vous avez des superbes cartes. Alors, j'aurais pu prendre le kit. Le kit. Livraison de bonheur. Mais comme tout le monde a fait des choses avec, je me suis dit que ça changerait un peu. Alors, dans ce kit, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous voyez, je ne l'ai pas déballé. J'en avais acheté deux à l'époque. Vous avez un Stampin' Pot. Voilà, un petit encreur que je ne vais pas utiliser ce soir. Je vais le garder pour mes clientes parce qu'elles aiment bien. Vous avez également un jeu de tampons. Oui, il est bien garni, Christelle. Un set de tampons. Et je vous assure, on ne va pas faire jusqu'au bout, hein. Je vais juste vous faire voir comment on fait la structure. Et hop. Voilà. Ils sont tous bien garnis comme ça, hein, Christelle. Coucou Marie-Thérèse, c'est pas grave Marie-Thérèse, il n'y a pas de retard ma belle. Si tu as des enveloppes, prépare-les, c'est le moment. Hop. Donc, il se compose, je vous fais tout voir, hein, de mini Stampin' Dimensional. Hop. De bling bling. Tiens, il m'en manque un de bling bling. C'est bizarre, il a dû coller quelque part. Là, ce sont des glue dots. Voilà. Et du joli fil. Ah bah, il est là, mon Stampin' Pot. Et j'ai toujours pas fait mes ongles, hein. Ah, ne regardez pas! Si, je vais le faire en vidéo. Je vais faire la structure, Sandrine. Mais je vais pas le décorer, sinon ça va être infernal pour vous. Moi, je veux bien le décorer, Sandrine, si tu veux. Alors oui, donc ça, c'est des glue dots, les bling-bling, le bloc acrylique et les enveloppes, les fameuses enveloppes. Voilà. Les cartes. Il y en a 9, 9 cartes, des petites branches, des feuilles de toutes les couleurs et le mode d'emploi. Alors ça c'est le set de tampons, d'accord? Oui, c'est chouette. Et en plus, en ce moment, ils sont à moins 30%. Donc, pour un achat pas très onéreux ou pour les débutantes, c'est super. Merci, Christelle, de faire l'apologie des kits. Je te remercie beaucoup, ma fidèle Christelle. Donc, on a des fleurs, on a tout un tas de trucs et 9 cartes. Et le mode d'emploi. Voilà. Et là, je vais faire donc la structure de ce mini-album. Je vais même décorer. Peut-être que je vais décorer les pages, les filles, si vous voulez bien. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais déjà sélectionner ce que je vais couper. N'hésitez pas si quand vous passez à faire un petit coucou les filles. Voilà. Et je vais prendre ça. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça pour rigidifier. Hop. Voilà. Je vais prendre ça.
pour rigidifier mes enveloppes. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire la structure. Il y a plusieurs façons de faire la structure. Bonsoir Daniel, comment vas-tu? Donc, soit on les colle l'une dans l'autre, soit, et là c'est ce que je vais faire apparent, c'est-à-dire je vais enlever mon massicot parce qu'il me gêne. Bonsoir Ariel, comment vas-tu Ariel et ton pied? Ça va un peu mieux? Donc là, je vais faire ma couverture, non pas en enfilant parce que ça va être pas terrible quand même. Je vais faire des doubles pages si vous voulez. D'accord? L'album, il se compose de doubles pages. Bonsoir Martine. Voyez? Tout ça, ce sont des doubles pages. T'es allé voir le chirurgien et ça y est, t'as le droit de marcher. C'est tout, c'est bien ça. Voilà, donc ce ne sont que des doubles pages avec une reliure en U. Bonsoir Nancy. Comment vas-tu Nancy? Donc, pour la couverture, je vais rigidifier une partie de celle-ci. Donc, celle qui sera la première de couve. Celle-ci. Elle est vraiment. Coucou Muriel! Oh, c'est trop gentil Muriel! Bonsoir Pascal, bonsoir Stéphanie, rebonsoir. Alors, donc, je vais faire, hop, là, je disais, on voit le rabat de l'enveloppe, ici. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Donc, ce que je vais faire de l'autre côté, mais je vais décorer ma partie. Donc, ça, ce sera ma page de couverture. OK. Et je vais la rigidifier tout de suite. Donc, je prends une base de cartes. Alors là, je ne vois rien. C'est super. Hop. Je vais tout simplement la couper en deux si j'y arrive. Voilà. Et je vais la mettre dans une enveloppe. Tout ça, ça sert à rigidifier. Alors attendez que je m'applique. Voilà. À rigidifier notre structure. Donc je mets ma base de cartes que j'ai coupée comme un non, que j'ai bien coupé quand même. Voilà. Donc ce sera ma couverture. Mauvaise santé, mince. Oh, mais c'est pas grave, Nancy, t'inquiète. Il y a des replays. Les replays, c'est fait pour ça. Donc. Je vais coller bien bord à bord mes deux enveloppes. Je vais marquer le pli avec mon plioir en os. Pas le grand, mais le petit. Oui, tout à fait, pour cacher le rabat de l'enveloppe. Mais là, je trouvais que le rabat était intéressant, en fait. Tu vois? Les petites rayures dorées, moi je trouvais ça intéressant. Alors, hop, j'y vais. Donc là, je peux mettre de la colle un peu partout. C'est gentil, les filles, vous êtes trop gentilles. Je mets donc, hop.
de la colle et je vais venir mettre mon enveloppe bien bord à bord au niveau du pli. Voilà. Alors, ce que je fais, hop. Et voilà. Et je viens coller mon autre rabat à l'intérieur. Et j'aurai déjà ma page de couverture, ma couverture, on va dire. Et hop. Voilà. J'ai donc ma couverture que je vais pouvoir décorer, mais je vais le décorer à la fin. Je prends une autre enveloppe, deux autres enveloppes, et je vais faire les derde-couves cette fois-ci. D'accord? Jusque-là, vous me suivez, les filles? Donc, je mets, je suis bien dans le champ au moins, oui, je mets, hop, impeccable, deux peccables. Coucou Patricia! Oui, vous me suivez, super, parce que je parle, mais des fois, je me disperse. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Hop. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel kit. À partir du moment où vous avez 8 enveloppes. C'est pas grave, Patricia. C'est pas grave du tout, ma belle. Et je colle l'autre partie. Donc en ce moment, les kits, ils sont jusqu'à moins 30%. C'est l'occasion ou jamais. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma première page, ma couverture. Ma double page, d'accord. Et là, j'ai ma derde-couve. Et je n'ai plus qu'à faire l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est pas difficile. Alors, est-ce que je vais prendre celle-là? Oui, je vais prendre celle-là. C'est celle-ci et celle-ci. Alors, il n'est pas décoré, bien sûr, hein, mais j'ai pas eu le temps matériel. Je voulais déjà tester ce que ça donnait avec ce kit-là. D'accord? Donc ça vous fait des doubles pages que l'on peut tout à fait décorer. Et là, ces doubles pages, eh bien, hop, elles sont, je sais pas si on voit bien, voilà, on voit mes petites mimines. Ce sont des enveloppes collées entre elles. Mais, alors ça, je vais le mettre de côté. Oui, bien sûr, Nancy. Alors attends, la création, c'est ça. C'est ce petit album, tout simple, qui n'est pas décoré, encore une fois, hein, je le précise, avec une album, une album, avec une reliure en U. Voilà. Alors, je prends quatre autres enveloppes, je vais les faire deux par deux. Et là, c'est là où la technique est différente. Vous avez même de quoi faire une autre carte. Je coupe l'extrémité, tout à fait, Sandrine, tu as tout à fait trouvé. Mais, attention, alors pareil, je vais prendre mon plioir en os. Hop, je marque bien les plis sur toutes mes enveloppes.
Voilà. Alors, je coupe l'extrémité, mais ça va être vraiment un léger filet que je vais. Hop. Alors, là, pour que ce soit bien ouvert, d'accord, je ne vais mettre de la colle. On va être comme ça. Que sur le petit filet où normalement on met sa langue pour coller, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Et juste ici. Mais c'est tout. D'accord? Et je viens prendre mon enveloppe que je colle, je fais pas de bêtises, non, je fais pas de bêtises, que je colle. Comme ceci. Voilà. Alors, la colle, ça bouge, mais je ne vois pas l'autre. Voilà. J'ai fait une bêtise, les filles. Fallait bien que j'en fasse une. Voilà, la bêtise, c'est que c'est là qu'il fallait mettre de la colle. Mais c'est pas grave, on se voit. Hop. Ça revient au même. Et voilà. Ma double page. Mais comment allez-vous me dire, vais-je faire pour faire une double page ouverte? Alors je vais prendre mon plioir en os, pareil, qui est un peu sale celui-là. Il est où mon autre plioir en os? Et voilà. Bonsoir Brigitte. Merci Brigitte de passer, c'est gentil. Et j'ai donc ma double page. Je prends mon coupe-papier et c'est là où c'est l'astuce. On va juste, voyez, il est bicolore notre massicot. OK? Donc on va juste mettre le bord de notre enveloppe ici sur hop sur la bande. Bonsoir Virginie. Sur la bande marron, la deuxième bande marron. Alors je prends pas le tiroir et je coupe vraiment, voyez, légèrement comme ceci, tout simplement. Et j'ai déjà une ouverture, voyez. C'est pas grave, Stéphanie. Bon courage à toi et puis tu penses à moi demain surtout, d'accord? Tu m'envoies ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Et hop! Et j'ai donc mes deux doubles pages qui peuvent accueillir des cartes qui n'ont pas de fond, bien sûr. Je fais ça, ça va être. Alors, par exemple, on va voir celui-ci. Gros bisous, Stéphanie. Et essaye de bien te reposer quand même. Celui-ci, ici. Vous voyez, c'est pour pas que ça dépasse, en fait. D'accord? Et je vais faire pareil sur les deux autres. Alors, qui c'est qui va le faire, ce projet? Vous pouvez tout à fait le faire avec des enveloppes classiques que vous aurez préalablement
que vous aurez préalablement décoré, bien sûr. Je ne veux pas l'enfiler. Toi. C'est sympa, moi. Enfin, moi, je trouve que c'est assez sympa de faire ce genre de projet, que ce soit avec un kit ou sans kit. Alors, hop. Mais bon, l'idée, c'est quand même de faire avec un kit Stampin' Up, surtout qu'ils sont jusqu'à moins 30% tout le mois d'octobre. Très intéressant. Alors, est-ce que j'ai bien mis... J'ai encore le temps de bien positionner. Voilà. Ah, cette colle, hein. Cette colle. Voilà, je pourrais prendre le plioir en os, hein. Donc, du coup, ce soir, vous n'avez rien à faire, les filles. Vous pouvez parler entre vous. Vous pouvez parler entre vous, mais en me regardant quand même. Bon, la colle a du mal. Voilà. Coucou, Pauline. T'es là en passant ou pas? Et voilà. J'ai ma double page. De la même façon, je prends mon coupe-papier. Hop. Et je viens couper. Dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois, par exemple, en live. Donc, je viens couper à ras-bord de chaque côté. Voilà. Donc, encore une fois, hein, c'est vraiment tout petit. C'est histoire de... Hop, de faire nos doubles pages. Je vais peut-être le décorer. Voulez-vous que je le décore? Dites-moi tout, les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons qui regardent. Je vais peut-être le décorer. Oui. Je vais le décorer vite fait. Je voudrais surtout décorer la page de garde. Donc, en faisant attention que vous avez là votre reliure, parce que sinon on aurait vu la structure en U, par exemple, d'accord? Donc là, vous avez 2 cm, ok, ici. Donc, votre couverture, où est mon autre couverture? Elle est là, voilà. Je vais la décorer avec le set de tampons qu'il y a, hop, dans le kit. Oui, la déco. Oui, ça va, Pauline, merci. C'est rare de te voir. Et je sais maintenant qui me regarde grâce à mon téléphone portable.
Allez, j'aurais dû décorer avant, mais c'est pas grave en soi. Je prends. Hop. Hop. Alors, c'était du bleu mystérieuse brume, mais là, je voudrais faire du frésia en fleurs. Comment va ton petit fiston, Pauline? Est-ce que c'est suffisant comme... Oui, c'est suffisant. Ben oui, le petit est couché, tu m'étonnes. Et toi, t'es pas couché encore? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. C'est mieux comme ça? Dites-moi, les filles. Bah oui, il est à fond. Tu vas voir, ça va être super chouette, Noël avec lui. Alors, j'ai pris du fraisier en fleurs parce que je vais faire ma couverture en fraisier en fleurs. Alors, je vais peut-être mettre un brouillon. Tu scrapes un peu, Pauline? Ah, tu commences à 9h30 demain. Bah, c'est cool ça. Allez, hop. Je voudrais pas abîmer mon Stampin' Pierce. Je sais pas si ça sert à quelque chose, étant donné que j'ai mis un carton. Enfin, un carton, une carte. Alors, je vais peut-être le faire aller comme ceci. Ah, oh, ça va être génial, le marché de Noël de ton village, dis donc. Et je vais faire. Alors, hop. Alors. J'ai pas préparé mes tamponnages. Hop. Il faut que je prenne. Hop. Allez, bien rempli. Ça peut être que de bons souvenirs. Année bien remplie. Il me semble qu'il est dans les exclusivités en ligne. Voilà. Et je vais prendre que de bons souvenirs. Alors, que de bons souvenirs. Je laverai mon tampon après. Ah! Et je vais l'écrire. Ah, c'est bien ça, Pauline. Et je vais écrire que de bons souvenirs. Alors là, faut pas que je me plante, les filles. Hein. Hop. Il y a des poils de chat partout, c'est terrible. Et là, cette fois-ci, je vais l'écrire en mystérieuse brume, puisque c'est une des couleurs du kit. T'as pas une blague, Sandrine? Et c'est là où je me plante, les filles. Alors attendez, il faut pas que je le mette trop près. Alors attendez. Oui, je fais un mini-album avec un des kits Stampin' Up, ma belle Pauline.
Alors, vas-y, Sandrine, on t'écoute. 2 cm. Pendant que je fais mes... Hop. 2 cm, ça me fait là. Ici, voilà. À peu près. Les toilettes. Je suis sûr que c'est les toilettes. Je porte des lunettes, mais je... Ah! Voilà ce que je fais. J'en ai mis plein les mains. C'est malin, hein? Non mais je vous jure. Alors, est-ce que c'est ça, Sandrine? Non, c'est pas ça. Ça aurait pu être ça quand même. Je porte des lunettes. Mais je ne vois pas. Alors, les filles, d'après vous, c'est pas les lunes, la lunette des toilettes. C'est... Est-ce que Christelle sait? Il n'y a personne derrière l'écran, c'est génial. Oui, Pauline, t'as raison. Non plus. Bonsoir, Patricia. Alors, je vais mettre comme ceci. Voilà. En espérant que c'est droit, c'est à peu près droit. Tu sais pas, Christelle? Oh bah dis donc, ça m'étonne. C'est pas Gilbert Montagnier? Ah oui, un serpent. Bah oui, un serpent à lunettes. Ah, oh, j'ai fait une bêtise. Bah oui. Oh, je suis nouille. Hein. Oh! J'ai fait une grosse bêtise, des filles. Non, c'est pas un serpent à lunettes. Quelle andouille. J'ai mis le mystérieuse brume. J'ai tamponné le mystérieuse brume sur le fraisier en fleurs. Super. Le nez. Le nez, comment ça, le nez? Ben non! Le nez, il verrait bien. Ah oui? Ah, c'est le nez! Bon, c'est une... Marie-Thérèse, bravo, félicitations. Je ne dirai plus rien. Tu as raison, le nez porte des lunettes, effectivement. Mais il ne voit pas. Oui, mon nez porte des lunettes, c'est vrai, Sandrine, exact. Alors, est-ce que ça va quand même? Oui, ça ira bien, c'est pas... Pas tout à fait droit. Si ça va pas, les filles, je mettrai. Hop, je vais sécher un peu. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait droit, c'est pas comme je l'espérais. C'est pas grave, je mettrai autre chose devant. Un peu, un pou et une fourmi, un pou et une fourmi font la course qui gagne. Ah, bonne question. Hop. Et maintenant, on va faire la structure. Donc là, mon enveloppe. Fait
14,6. Donc, il me faut un papier de 14,6. Là, ça va pas. Quatorze virgule six. Et vous allez voir, je vais vous donner une petite astuce pour le couper. Si c'est pas la fourmi, c'est le pou alors. Hop, 14,6. Et donc, je vais vous parler de ma structure en U. Voyez, c'est tout simplement. Marie-Thérèse, toi aussi, tu as un cahier où tu notes un système en U sur mes doubles pages. Donc, j'ai besoin, voilà, de trois systèmes en U. Oh! Oui, c'est pas mal, Sandrine. C'est pas mal du tout. Alors, je vais faire ma structure en U. Et plutôt que de faire sur 3, donc j'ai mis 1, 1, 1. Vous voyez? 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre. Je vais, hop, faire mes plis avant de couper. Ce sera toujours plus facile. Alors, je m'aligne bien en haut et en bas. Ce sera toujours plus facile. 1 centimètre. 2 centimètres. Voilà. Et 3 centimètres. Donc là, c'est la structure en U classique avec mes trois plis, mes deux plis, pardon. D'accord? Je vais les plier après. Donc c'est quand même beaucoup plus facile plutôt que d'avoir un 3 centimètres comme ceci, refermé, ne pas être sûr que ce soit bien au pont sur les bonnes mesures. Et je recommence. Un pli à 1. Un pli à 2. Et je coupe à 3. Et je coupe à 3. Vous me suivez toujours, les filles? Et je fais mon troisième U. Voilà. Deux. Un, deux. Toujours super. Comment vas-tu, Patricia? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, comme ouais. Ben oui. Et j'en profite. Non, je le ferai après la reliure ici, là, pour cacher les petits U. C'était quoi la question, Sandrine? J'ai pas suivi la question. Coucou Caroline. Tu t'es endormie, tu dois être fatiguée, ma belle. C'est pas grave, en replay, bien sûr.
c'est intéressant. Alors, je vais découper un peu en biais. N'oubliez pas non plus. Hop. Pourquoi les lapins jouent avec seulement 39 cartes? Oui, peut-être parce qu'ils ont des... Ah bah oui, tu m'étonnes que ça fait du bien de reprendre le travail. Je biseaute mes petits U. Voilà. Et je vais venir coller mes enveloppes. Donc, je vais prendre ma couverture que j'ai mis où? Qui est là. Je vais alterner. Mes pages. Et comme ça, elles seront préparées. Impeccable. Vas-y, donne-nous la réponse, Sandrine. Et je vais commencer par la fin. Alors, je marque mes plis quand même, hein. Et je vais les marquer. Comme ceci. Cette fois-ci, je ne cache pas les bourrelets. D'accord? Puisque ma structure en U, voilà, va se voir à l'intérieur. Ils ont mangé tous les trèfles. D'accord. Tu bosses pas demain, Caroline, ou t'es arrêtée? Et j'aurais dû mettre du double face avant. Alors, hop. Je vais prendre mon double face que j'aurais dû prendre avant. Alors, j'aime pas trop utiliser le double face parce qu'avec mes chats, j'ai plein de poils dessus. Tard, à 7 heures, bah dis donc. Je vous ai même pas parlé des nouvelles exclus en ligne qui seront disponibles à partir de novembre. Hop. Et que l'on peut obtenir. Voilà. En rejoignant mon équipe et en profitant de la super promo. Ah oui, c'est clair, pas simple avec les poilus, hein. Avec la super promo. Donc encore une fois, vous payez 129 euros et vous repartez avec 214 euros de produits Stampin' Up. La livraison gratuite. Vous profitez des kits à moins 30%. De la super promo des sets de tampons qui sont à moins 15%
Les 7 tampons du nouveau, enfin, du nouveau, pardon, du catalogue annuel. Que du bénéfice. Qu'est-ce que tu dis, Sandrine? Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je? Le veilleur de nuit. Hein? Et voilà. Non, c'est pas le veilleur de nuit. Ah. Ah. Donc, je commence toujours par la fin. Ouais. Ah oui, ça peut être la nuit. La lune, oui, ou la nuit. Alors, que je me trompe pas, je vais prendre. Hop. Donc, c'est une structure en U. Non, c'est ni la lune, ni la nuit. D'accord. En plus, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait mon maison. Du coup, ils sont tout petits, 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 petits. Où est mon... Ah, voilà. Hop. Ni la lune, ni la nuit. Qu'est-ce que ça peut être alors? Mince. Donc je travaille à plat et je mets là où il y a ma demi-carte. Hop. Une structure en U. Ensuite, je mets ma deuxième page. Alors oui, je vais la mettre comme ceci. Et je travaille toujours à plat. Et j'aligne bien. Hop. Et voilà. Et voyez, j'ai déjà ma couverture qui est ici et mes doubles pages. Je continue. Oui, l'angoisse, Sandrine. Je continue à monter ma structure en U. On voit pas ma tête, j'espère, hein? Alors, dis-nous tout, Sandrine. Mon autre. Bon, ça m'énerve, hein, ça tient pas. La lettre N. Alors, rappelle-moi la...
Rappelle-moi la blague. Je me souviens plus. Je commence la nuit. C'est ça? J'ai pas suivi, Sandrine, excuse-moi. J'étais concentré, pardon, j'étais concentré sur. Hop. Et la dernière de matin. Ah, je commence la nuit et termine le matin. Oh là là là, oui, mais oui. Oh là là là. Vous me perdez quand c'est trop intellectuel, les filles, hein. Alors, je finis mon U. Et comme ça, comme je laisse 1 cm, voyez, je laisse 1 cm, ça laisse la part belle aux embellissements en relief, etc. T'es déconnecté? Ben oui, hein. Je finis ma page avec la couverture. Et je m'aligne bien. Et j'ai donc ma structure avec ma couverture. D'accord? Mais c'est pas terrible, vous allez me dire. On voit les. Hop là. On voit les enveloppes. Donc, on va mettre une couverture pour cacher tout ça. Et ma couverture, je veux qu'elle fasse 2 cm. 2 cm. Donc là, ça fait environ 2 cm et demi. Ouais, 2 cm. Non, ça fait 2 cm. Quatre. Donc, hop, je reprends mon papier qui fait 14,6. Voilà. Et je vais faire, donc j'avais dit combien? 3 cm et demi, 3,4 cm. Voilà. Je vous suis plus au niveau des blagues, hein, les filles. Je me concentre. Et je reprends, hop, mon massicot. C'est dans quel sens? Ok. Et je vais faire 2 plus 2, 4, plus 3,5 pour laisser la part belle. Voilà, ça fait 3,5, 7,5, non, 5,5, oui, 7,5. Moins 3,5, oui, c'est bon. Allez, 7,5. Excuse-moi, Sandrine, mais je suis concentrée, je suis concentrée. Voilà. Et je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà. Je m'aligne bien en haut et en bas.
Et je fais mon pli comme la tomate. Oui, je suis concentré comme la tomate. Voilà, je marque mes plis. Ça va tes filles, Sandrine? Voilà. Et je vais venir coller tout ça comme ceci. Alors, je vais mettre du double face. J'ai pas l'habitude de travailler au double face, mais c'est quand même plus facile pour ce. Projet. Voilà, je dis les choses un peu en retard. Oui, ça va, tes filles? Rappelle-moi dans quelle classe elles sont? Mais il n'y a plus personne, Sandrine. Il n'y a plus que toi et moi. Parce que maintenant, je ne peux plus voir qui suit mes lives. Hop. En troisième, ah ouais, c'est une classe. Waouh. C'est hyper important, la troisième, hein. Une classe charnière, il faut qu'elle décide de ce qu'elles vont faire alors. C'était quoi la question, Sandrine, du coup? Ah oui, dernière année de collège où elles vont devoir apprendre. Elles savent déjà ce qu'elles vont faire? Mince. Bah alors. Voilà. Hop. Et je vais venir coller tout ça. Sur. Ah oui, c'était ça la question. Je ne peux pas marcher. J'ai pourtant un dos et quatre pattes. Elles savent déjà qu'est-ce qu'elles veulent faire alors? Voilà. Si c'est pas indiscret. Et alors là. Hop. Hop. On va l'aligner. Oh mince, Pauline, pas super, super ça. Hein. Waouh, bah dis donc. Et voilà, ma structure est faite. Alors, il n'est pas décoré, bien sûr. Là, je fais tomber ce qu'il ne faut pas faire tomber.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas difficile en soi. Je peux rajouter, comme je l'ai fait dans mes pochettes. Alors, bon, je vais rajouter comme ça. Voilà. Là, je vais rajouter une bleue. Ah oui, ce sont des belles études en perspective, Patricia. Tu as raison. Voilà. J'alterne. Oui, très longue, oui. Et voilà. Ah ben, je les ai mis toutes dans le même sens sans faire exprès, les filles. Alors, je vais quand même profiter de ce qu'il y a dans le kit. Qu'est-ce que je peux mettre de chouette? Parce que mon titre, il est un peu... Bonsoir Sylvie. Mon titre est un peu bancal, vous ne trouvez pas? Fais tout tomber. C'est l'horreur. Alors, je vais essayer. C'est pas grave. Sylvie, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avance ou de retard. Il y a le replay. Et c'est très bien comme ça. Ah, j'ai une idée encore, quelle est mieux? Puisque j'avais déjà découpé. Mes petits feuillages. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, je savais pas ça, Sandrine, qu'ils avaient enlevé ce truc-là. Ben, c'est pas possible, si c'est possible. Alors, mes petits bling-bling et mes petites décos. Voilà. Je voudrais cacher un peu le titre qui est de travers. Ça veut dire que j'en refais un à l'identique de l'autre. Ouais, je vais le refaire à l'identique parce que ça me plaît pas de le que de bons souvenirs de travers. D'accord, les filles? Et je vous rappelle qu'il y aura une surprise pour celles et ceux
qui auront fait un sketch du mois. Alors, hop. Ça va, c'est pas trop long, les filles? Je vais, hop, casser mon titre. Voilà. Je prends mes gloudottes. Oui, c'est un kit, Sylvie. C'est tout à fait ça. Non, ça va, c'est pas trop long. Je vous ennuie pas avec mes blablas. Enfin, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de blabla quand même, hein. Alors, attendez. Avant que je prenne mes gloudottes. Ouais, si. T'es pas fatiguée, Marie-Thérèse? Il s'appelle Jardin de gratitude et il est à 23,20 € je crois, quelque chose comme ça. Ou 25,20 € en promotion. Comme tous les autres kits Stampin' Up. Hop. Vous n'êtes pas fatigué? Alors on continue, c'est fantastique, super. Je sais même pas quelle heure il est. Je vais mettre un autre gloudotte. Vous êtes des warriors, les filles. J'ai toujours peur de vous embêter. Que vous ne soyez pas. Alors, je vais remettre un là. Je suis hors champ. Et voilà. Ah, quand même, Sylvie. Ah, quand même, Christelle. Presque 22 h, mais c'est pas grave. Bon, je continue alors. Il faut dire que j'ai commencé en retard. Ben oui, hein. J'ai eu 5 minutes de retard. Mais c'est promis. Hop. Alors, encore une fois, j'aurais pu le faire avec un autre type. Jardin. Non, c'est livraison du bonheur, un kit qui a été moult, 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 moult fois. Voilà. Et je vais mettre des estampilles dimensionnelles. T'es trop gentille. Merci Christelle. T'es vraiment sympa. Vous êtes toutes sympas de toute façon. Voilà. Je mets mes mini stampines dimensionnelles un peu partout derrière. Voilà. Voilà. Et je vais en mettre un là. Et avant, je vais mettre de la ficelle. Ah non, si je me trompe de truc, ça va pas, Lydie. Non, mais franchement. Où est ma ficelle? Elle est là.
Vous êtes adorable. Pour la peine, t'as le droit de dire une autre blague, Sandrine. Allez, qui dit à Sandrine qu'elle nous raconte une dernière blague? Parce que j'ai bientôt terminé. Hop. T'es toujours là, Caroline? Eh ben, dis donc, tu vas être fatiguée demain. Voilà. Alors moi, comme je ne sais pas faire les nœuds, j'en prends beaucoup, beaucoup de ficelles. Hop. Je suis plein de trous, mais je retiens encore l'eau. Qui suis-je? Ah. Alors, c'est pas une passoire, parce que la passoire, elle retient pas l'eau. Ah, j'ai les oreilles qui bourdonnent, dites donc. Non à quoi? Ah oui, un filtre. Non, un filtre n'a pas de trou. Et surtout, le filtre, Hop. Ah mince. Quelqu'un parle de moi, oui. Oui, sûrement. Voilà, j'arrive pas à me concentrer pour faire mon nœud alors que la ficelle est super grande. Non, mais franchement. Allez, concentre-toi. Voilà, impeccable. Tu vas pouvoir couper. T'as envie de voir. Bon, mon ciseau m'énerve. Hop, hop. Où est mon autre? Voilà. Ah, quand même. Non, mais. Et je vais même faire un double nœud. Voilà. C'est tes couleurs, Frésia en fleurs, bleu, mystérieuse brume et tout et tout. Voilà, alors j'ai peut-être un peu exagéré sur. Bon, le nœud n'est pas parfait. Mais c'est point grave. Voilà, je vais le mettre là. Et alors, il y a des petites étiquettes dans le kit. Elles sont belles, hein? Que je pourrais mettre. Ouais. Je vais couper un peu ça. Et hop, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce qu'il y a sur le set de tampons? Où est-il? Ah, il est là. Il est superbe ce kit.
Jardin de gratitude. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Je te suis reconnaissante. Non, c'est pas terrible ça. Tu es super. Non. J'ai des amis. Mille merci. Non. Donc le titre, je le trouverai plus tard. Merci Sandrine. Voilà. Non, merci Marie-Thérèse, pardon Sandrine. Alors, c'est quoi qui a des trous et qui retient quand même l'eau? Bien sûr, alors l'intérieur, je ne l'ai pas fait encore. C'est tout simplement des enveloppes que j'ai assemblées entre elles, tout simplement. Hop. Et voilà. Bonne nuit Pascal, à bientôt. Oui, je peux prendre souvenir, mais il n'y a pas souvenir dans le kit. Oui, l'angoisse, Sandrine. Alors attends, sur mon tampon peut-être. Peut-être. Mince. Une éponge, ça a des trous? Oh, tu triches! Attends, où est mon set de tampons? Que personne ne bouge. Peut-être 7 exclus. Oui, je regarderai. Je vais prendre dans mon camion et je vais prendre bio. Parce que ça peut être biographie. Bio comme biographie, pourquoi pas, ça peut être sympa, non? Bon, toujours est-il, je chercherai le titre un peu plus tard. Là, je vais vous laisser. Donc, Sylvie, tu voulais voir l'intérieur. Ce sont donc tout simplement des enveloppes avec une structure en U. Et tu peux rajouter des cartes pour faire des pages supplémentaires. Les autres la prochaine fois, oui. Parce qu'il est 22 h, je ne sais pas combien. Et pour une fois, je vous laisse sur mes mains. Je vous fais des gros bisous. Merci Patricia. Il manque le titre, hein. Je pense que je vais mettre une étiquette rectangulaire. Hop.
Oh, il est 22 h, ça va encore. Je vais essayer de trouver un mot qui va avec cette étiquette-là. D'accord? Merci Sylvie. Je vous fais des gros gros bisous les filles. Et je mettrai les bling-bling aussi. Vous m'avez pas parlé des bling-bling. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Bonne soirée.